pour Mehdi Metella sur 100 mètres papillon. Et puis on va peut-être aller directement sur le podium, puisqu'il y a également une troisième place pour Charlotte Bonnet, avec Camillo Cametti, notre confrère responsable de la presse ici, et puis le président de la Ligue européenne, président Barelli. Bien évidemment, les Italiens à l'honneur parce que Pellegrini a gagné, mais nous, on est vraiment très heureux pour cette jeune fille. Clément Lefer, ça a été votre partenaire à Nice. Elle a enfin sa médaille, Charlotte. Oui, c'est une fille qui mérite énormément, qui s'entraîne tous les jours. Très dure et qui est très régulière et qui finit par percer au niveau international. Et juste à temps pour les Jeux Olympiques de Rio. Alors on va pas jouer dans le larmoyant, mais c'est vrai qu'elle avait un lien particulier, un fil qui l'a relié pendant des années à Camille Muffat, comme vous d'ailleurs. Mais pour Charlotte, c'était sa sœur de bassin. Et assurément, dans ce bassin, ça prend une résonance particulière. Alors que Fenkemskerk doit se contenter de la médaille d'argent à 4 centièmes du podium, Philippe Lucas, c'est rageant. Hein. Ouais, c'est une déception. Bon, on sait que vous saurez travailler parce qu'elle était en tête 199 mètres 80. Et puis sur la fin, il y a eu Federica Pellegrini. Toujours pas de titre européen pour les Pays-Bas dans cette épreuve du 200 mètres nage libre. En revanche pour l'Italie. 4 médailles, 4 titres, et ces 4 titres, ils sont pour la reine, la Pellegrini. C'est le 421, 4 titres européens, 2 titres mondiaux et un titre olympique. Ouais, Fédé qui peut être championne olympique dans 2 mois, parce qu'elle est vraiment régulière. Elle a joué 55-30 ou 40 au championnat d'Italie, et là, encore. Et puis ce qui fait du bien, c'est de gagner, quoi. Ouais, et puis elle gagne sous la minute 56, et puis elle a fait quand même des relais impressionnants, hein, 3 relais en moins de... Oui, non mais celles, tout le monde, les 3 filles qui sont sur le podium, ils ont nagé autant. Oui, non mais je dis pas ça, mais c'est qu'elle elle est très vite sur 100 mètres. Hein. Et les autres aussi. Seulement, elle s'est gagnée à la fin, c'est tout. Voilà, et en l'honneur de Federica Pellegrini, eh bien, l'hymne italien... Fratelli Italia. Depuis 2004, adversaire privilégié de l'or. Hein. Vous l'aviez battu? Oui, je l'avais battu en 2007 avec presque le même temps. Mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup plus de nageuses qui réalisent ces temps-là. Et il n'y a pas que des nageuses européennes, donc il ne faut pas oublier non plus les américaines. Elle avait battu le record du monde en demi-finale et le lendemain, c'est vous qui aviez gagné avec le record du monde. Et elle avait pris la troisième place. Et depuis, j'ai arrêté de nager, elle est toujours là. Donc c'est vraiment une grande nageuse qui... est constante dans sa carrière et j'espère qu'elle réussira à Rio. Voilà, et Charlotte Bonnet qui part et voilà, elle n'est pas forcément habituée à cette médaille, Clément, hein, parce qu'il y a Femke, il y a Federica et puis elle est déjà repartie, Charlotte. Le joli sourire de... Alors, c'est sûr qu'à Rio, une 55-9, tu seras même pas en finale. Hein. Faut pas l'oublier. Ou alors tu seras vraiment 8e. Hein. Il va falloir que Charlotte pose son jeu, hein, pour entrer dans une finale et arrive à nager sous les 1,56 si elle veut espérer
à rentrer dans les 8. Ouais. Voilà, Federica, tiens, Nelson, peut-être, je vois Charlotte à vos côtés, ça serait bien d'avoir peut-être Federica également avec Charlotte. Vos désirs sont des ordres, oh, cher Alex, puisque, tenez, Federica, vous allez nous montrer votre jolie médaille d'or, là, Aurélie va nous montrer cette médaille d'or, c'est la combientième médaille d'or de votre carrière, Federica, est-ce que vous les comptez? Jamais les compter. Bon, peut-être que Alex, vous qui êtes un spécialiste de la comptabilité, peut-être que vous approchez la Soche, je ne sais pas. En tout cas, elle est très belle. Et puis donc, contre Femke Heemskerk Pays-Bas et contre Charlotte, elle a été difficile à aller chercher. Ah oui, oui, c'était très, très difficile. Très belle compète. Et je suis très, très contente de faire les leçons ici et de faire ces typologies de compète. Et vous avez un petit mot à dire à Charlotte? Elle est très, très jeune et elle est très, très forte. Bah vous aussi, vous êtes encore très jeune. Et quand vous voyez Federica, Charlotte, c'est un exemple pour vous, c'est un joli exemple à suivre. Oui, forcément, elle a beaucoup de médailles et moi, c'est ma première internationale en individuel. Donc, c'est pas encore l'or, ce sera peut-être pour bientôt, nous le souhaitons. Peut-être, mais non, c'est vrai que c'est un exemple et elle a beaucoup prouvé et moi, j'en suis qu'au début de ma carrière, donc voilà. Oui, Federica, un petit mot de deux personnes qu'elle connaît très bien, Philippe et Laure. Bonjour. Bravo à toi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai arrêté de nager, toi t'es encore là, et t'as vraiment beaucoup de courage, t'as une carrière très longue, et j'espère que tu vas faire des grandes choses à Rio. Merci beaucoup, et j'espère aussi. Et Fédé. Oui, c'est Philippe. Bonsoir Philippe. Fédé, bah écoute, bravo, comme d'habitude, ok, mais moi je te souhaite une bonne préparation pour Rio. Je sais que tu pars en altitude, je te souhaite plein de bonnes choses pour dans 2 mois. Merci beaucoup. Merci Federica, merci et puis, Charlotte. Et puis Charlotte. Oui, Charlotte. On ne peut pas les garder trop longtemps. Non, juste un petit mot de Clément, parce que Clément, il est vraiment heureux pour Charlotte. Clément Lefer. Oui, bravo Chacha, je voulais te féliciter pour cette, comme tu l'as dit, première médaille en individuel. Au niveau international, voilà, profite de ce podium et serre-toi-en pour arriver très forte à Rio. Merci. On aura beaucoup d'autres. Merci beaucoup, mademoiselle. Oui. Clément, quand tu auras 5 minutes, tu répondras à mes messages.